Oui, Msal Khair Mohamed, ça va? Comment vas-tu, mon ami? Oui, je suis bien arrivé à Alger. Oui. En tout cas, j'étais ravi de ma présence parmi vous et je reviendrai sûrement. Oui. Yatek Saha. En tout cas, là, je suis vraiment obligé de te laisser parce que je suis au travail. Hein? D'accord? Allez, ciao, ciao, au revoir. Ala khair, Mohamed. Eh oui. Ah, ça tourne. Désolé, j'étais en train de parler à un ami à moi qui m'a accueilli tout récemment à Betna pour parler justement d'un grand artiste qui nous a quittés à la fleur de l'âge, ça fait quelques années. Et oui, 5 ans déjà. À Betna aussi, j'ai découvert une autre belle région de notre si beau pays, une région qui m'a impressionné par sa riche et grande culture, mais aussi par la danse chaoui, une danse hippique, signe de bravoure. Et parlant de bravoure, regardez ces quelques extraits d'un film d'Ahmed Rajdi, Mustapha Boumbouleid, et on voit la danse chaoui. Appréciez, regardez. Très très belle danse. En tout cas, le temps de lancer le générique, moi je vais faire quelques pas. Je vais essayer de faire des pas de danse chaoui. Mais bon, je crois que je vais pas y arriver. Mehdi, lance le générique s'il te plaît. Musique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans Fréquence Musique. Il appartient à cette génération d'artistes qui ont résisté et bravé les pires moments de la tragédie nationale pour véhiculer par la musique et avec subtilité un message d'amour et de paix. Son nom, elle est Nasri, Ithri Kachou. Et oui, Ithri comme une étoile, malheureusement, qui a cessé de briller un certain 12 août 2009. المرحوم كاتشو. شما همانا شما يهنان ألا للحنانا أي لسان يلان شما همانا شما يهنان ألا للحنانا أي لسان يلان شما همانا Relativement cachot. L'un des maquis de la wilaya de Betna et ont servi comme abri aux Moudjahidines lors de la révolution algérienne. De son vrai nom, Ali Nasri. Il était un excellent interprète de la chanson horacienne. Il est né le 15 avril 1964 à la Daïra d'El Maadr dans la wilaya de Betna.
Issu d'une famille conservatrice de l'Oued Chliech, il fera ses premiers pas, ses débuts dans la musique lors de fêtes de mariage et de circoncision dans son village en reprenant les grandes œuvres de Issa Al-Jarmouni. Début des années 80, le jeune Kacho va fréquenter une maison de jeunes. Il va commencer avec un groupe appelé Taziri. Après avoir effectué son service militaire, le jeune Kacho va enregistrer sa toute première cassette, Babour Louh, 1987, une chanson, pas vraiment un grand succès, mais plutôt un bon début. Sérieux et la rigueur de notre artiste a fini par donner ses fruits. Un album, là on retrouve la chanson Nouara, dédiée à la femme algérienne, un véritable succès à partir duquel Kacho Lairahmo constituera son premier cercle de fans. En tout cas, il faut noter aussi que c'est nos collègues de la radio Station Constantine, la chaîne Sirta bien sûr, qui ont découvert la nouvelle star de la chanson Chewi. I'm
succès après succès, la renommée de Kacho ne tarde pas à s'étendre dans toutes les villes et les régions de l'Algérie, au point de déborder largement, même au-delà des frontières nationales. Hey demi 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 hey demi ya hey demi demi hey demi ya hey demi 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 hey demi ya jazairi hewli yedami ya hey demi 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 hey demi ya hey demi demi hey demi ya demi 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 hey demi ya ya shawi hewli yedami ya dehwili hali dehwili ya dehwili hali dehwili ya حالي بعد دنيا يا نعيش حياتي خلوني يا بيك الحبيب تهموني يا نسيك حقهر وحقروني يا وسيبوني بحالي بعد دنيا ونعيش حياتي خلوني يا بيك الحبيب تهموني يا نسيك تهلو كرهوني يا هاي دمي 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 هاي دمي يا هاي دمي 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 هاي دمي يا دمي 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 هاي دمي يا جاي غيري هي ولي دعمي يا